Salut à tous, c'est Maconnor Minou et on se retrouve aujourd'hui pour ce 21ème épisode sur Pokémon Cristal Bleu. Alors avant de commencer, pendant qu'on est dans ce petit brouillard là, je vais vous parler un petit peu de ma chaîne YouTube. Alors je sais que je le fais, j'en parle un petit peu, ça fait plusieurs épisodes que j'en parle et je me suis dit, voilà, je vais pas y revenir pendant la vidéo, je vais prendre 2-3 minutes pour vous en parler au début. Alors je vous en parle parce qu'en fait je suis vraiment très content. Plus je fais des épisodes, même si... comme vous le savez, enfin je pense l'avoir déjà dit, je tourne plusieurs épisodes et je les mets en ligne au goutte à goutte. Donc ce qui fait que là, à l'heure actuelle, je tourne cet épisode et j'en ai déjà quelques-uns en stock qui ne sont pas encore en ligne. Donc il y a un petit décalage entre ce que je vais dire et quand vous l'écouterez. Mais en fait, ce qui est plutôt marrant, c'est que je regarde mes statistiques et je me rends compte que mes vidéos plaisent. Alors les let's play, je comprends que ce soit un petit peu lassant, mais j'ai fait ma vidéo théorie. Je suis très content parce qu'elle plaît. Les vues montent tranquillement mais sûrement. Les premiers commentaires tombent et c'est vraiment très encourageant. J'ai eu d'ailleurs un commentaire de Galius que je remercie vraiment beaucoup, qui m'a fait quelques compliments et c'est vraiment très très motivant. Parce que pour quelqu'un comme moi qui n'avait vraiment pas l'ambition de... Je pensais pas que ça intéresserait des gens ou que des gens viendraient sur ma chaîne. Donc du coup, je suis très content et ça pousse vraiment, ça me donne vraiment envie de faire d'autres vidéos montage, faire d'autres vidéos que du let's play. Donc je vais sûrement me concentrer là-dessus. Je vais continuer mes let's play mais je vais essayer de faire d'autres vidéos, de m'améliorer dans les montages, de maîtriser un peu les logiciels, je vais bouffer du tuto et je vais essayer de vous faire des vidéos top. Voilà, donc je vais refermer un petit peu cette parenthèse. Encore merci à ceux qui posent des commentaires parce que c'est vraiment ce qui donne la motivation. Donc on repart dans cet épisode. Donc on est dans la brume. J'espère qu'on va sortir de cette brume. Parce que je crois que mes Pokémon ne sont pas... ouais, ça va encore, j'ai du stock. Alors je crois que là il faut du vélo. On va essayer. Le vélo c'est ça. Tchouk. Bon, j'ai peut-être fait une mauvaise chose. Un ninja peut utiliser toutes sortes de techniques vraiment terribles. Papinox, ok. Bon, je suis très désavantagé. Je sais pas si ça vaut le coup. Qu'est-ce que j'ai comme attaque? Je suis une vive attaque, mais je pense que je vais switcher. J'aurais dû switcher, Pokémon, petite merguez. Ça valait le coup de changer. Bon allez, de toute façon on va l'achever. Alors c'est pas l'attaque que je voulais faire, mais moi et ma malédiction du bouton A. Bon, il est coriace ce petit Papinox. J'ai l'impression que depuis le début de ce let's play, je n'ai pas fait beaucoup de crit. J'aurais bien fait une petite attaque critique de temps en temps.
les techniques ninja n'ont pas fonctionné. Comment tu veux avoir des techniques ninja? Tu as 12 ans, 9 ans, 8 ans. Faut des années pour être ninja, mon gars. Balle ombre, c'est cool ça. Je regarde, je me demande si Kadabra peut la prendre. Lily peut apprendre balle ombre. C'est marrant. Ouais, je peux peut-être la prendre quand même à Néo. Je sais même pas si dans les champions d'arène il y a un type psy. Mais bon, ce sera toujours ça de prix. Petite attaque spectre, ça passe. Alors après, et là je viens de voir Aeropic et je me rends compte que je n'ai toujours pas de Pokémon vol. Donc là il va vraiment falloir que je m'y mette. Hein. Je sais pas, mais j'ai pas l'impression d'avoir croisé tant que ça hein, par Étourmi. Étourmi et merde, comment il s'appelle. Enfin bref, j'ai pas eu énormément de Pokémon vol pour l'instant. Bon, on va slide directement. 29 quand même. Ok. Bon début. Fier de toi, Néo, c'est cool. Ah ouais, mais bon, ça va attaquer aussi. Je suis pas un gros chanceux quand même, hein, en combat. Allez, c'est bien. Putain. Dégoûté. Je suis dégoûté. Je vais essayer de le cramer. Je suis en déflagration. Oh putain, c'est brouillard. C'est là qu'on voit que le manque de précision, c'est vraiment très très handicapant. Youhou! Même pas brûlé. Il fallait le tenter. Dernier espoir. Je sens que ce machopère va me fumer mes Pokémon. Et ça me pète. Il me restera Machopper et Evoli. Evoli, Nymphali. Ça va être tendu. Ouais, enfin bon, une attaque acier contre un combat. J'ai rien, moi, à la base.
Elle reste dans la tête, hein, cette musique. Hein. À chaque fois que je fais un épisode, si je veux faire autre chose, vous pouvez être sûr, ça tourne dans ma tête. Ça va rien faire, évidemment. Ah, et si tu me tapes un petit 5, ça me ferait plaisir. Vraiment plaisir. Ah, coup critique. Je crois que dans les premières versions rouge et bleu, quand il y avait une attaque comme ça de plusieurs fois d'affilée, si le premier était critique, je crois qu'ils étaient tous critiques. Alors ça pouvait vraiment faire mal, quoi. Avec un bon coup de chance, c'était meurtrier. Alors, Minou, t'as intérêt à gérer ta race. Arrête des bêtises. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'il est lourd, match chopper? Il est pas très lourd, je vais pas faire balayage. Oh yeah. Cool, bon. Je pense qu'il n'y a pas de... Il peut pas descendre. On va enlever cette bicyclette. Bon, j'ai pas envie de retourner en rond, moi. C'est là d'où je venais. Il y a un truc que j'ai pas vu, peut-être. Ici. Ah bah oui. Si je vois pas les escaliers. Ah non. Ah bah là c'est fini. C'est fini. On dirait qu'il a les mêmes joues que Pikachu là. C'est marrant. On dirait un Pikachu défoncé. Alors, qu'est-ce que t'as? Bon, ce sera un épisode où on n'aura encore pas beaucoup avancé. Hein. Bon, si j'échoue, je retourne en centre, je vais sûrement cut et reprendre à ce niveau-là. On va pas perdre de l'épisode. Du temps d'antenne. Chup, 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 chup.
Mais non, t'es pas confus. Ah, oh, ça y est, la malédiction. Oh, le salaud! Allez, Minou! Nique-nous au moins! Alors, qu'est-ce que c'est, corps perdu? Le lanceur laisse l'ennemi porter le premier coup, en échange cette capacité n'échoue jamais. Oh, est-ce que ça marche ça avec le... Avec la brume? On va dire que oui, je vais enlever point karaté, tiens. Je vais tenter une petite potion quand même, histoire de durer un peu. Qu'est-ce que j'ai? Et dans les soins de statue, est-ce que j'ai des rappels? J'ai trois rappels. Je vais voir, je vais peut-être essayer de tenir quand même, si la ville est pas trop loin. La 76, une super potion, ça sera déjà pas mal. Allez, je vais parier sur le sur un échec d'attaque de sa part et je vais essayer corps perdu quand même. Bon. Ah bah tiens. Oh putain, la trouille. Dégoûté là. Je suis dégoûté, j'y ai cru. Bon bah voilà. Comme on dit, Capri, c'est fini. Bon, je cut et je vous retrouve tout de suite. On va se faire encore une petite dizaine d'épisodes, dizaine de minutes d'épisodes. Donc je cut et je vous retrouve tout de suite. Bye bye. Re les gens, j'ai fait mon petit cut, alors me revoilà ici. J'en ai profité, j'ai pris un peu d'avance, j'ai niqué un peu tous les dresseurs qu'il y avait au bord. Donc on est reparti. Bon, ils m'ont fumé un peu mon équipe, hein, il me reste pas grand chose. Mais de ce que j'ai vu, j'ai été ramasser les petites baies là. Oups. Là, normalement, on arrive à la ville, donc Celestia. Donc c'est cool. On va direct aller... Oh, des runes. Avec la galaxie. Ouais, j'aime bien, moi, tout ce qui est un petit peu mythologique. En plus, la mythologie Pokémon est très fournie. C'est un petit peu le bordel, mais c'est quand même bien structuré. Alors, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais... Ce que je veux dire, c'est que c'est structuré, mais il y a un peu beaucoup de trucs, et des trucs un petit peu abusés, quand même, quoi. Quand tu te retrouves à avoir des dizaines et des dizaines de légendaires, ça fait perdre un peu en crédibilité. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus. Et ben on va avancer. Allez. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais ce qu'on raconte? Pokémon a créé... Excusez-moi, la région de Sinnoh. D'accord, ok. Petit ravivivi. Je dois me concentrer et m'entraîner, ne compter ni les heures ni les jours, c'est pourquoi je n'ai plus besoin de montrer mon médecin. Montre analogique? J'avais pas déjà ça? Ah! Ok. Ok, donc oui, il est midi moins 5. On va revenir. Oh merde, j'ai mis à zéro. Sur les Pokémon en vrac. Voilà, c'est rigolo. Oh, qu'est-ce que tu me fais, toi? Bon, lui, toi, tu m'aimes. Toi, tu m'aimes aussi. Ouais, toi, tu m'aimes pas, ok. Mon petit minou m'aime. Ok. Tu m'aimes pas, toi, Kadabra? T'as enculé. Allez, un petit cœur. Bon, c'est pas grave, allez.
On reviendra. Alors, hey, je t'ai pas parlé, toi. Un étrange cosmonaute se tient devant les ruines. Il n'y a rien ici, mais il a l'air en colère en tout cas. Il menace de faire exploser la ville avec une bombe. D'accord. Il a fait le djihad, le coco. Franchement, quel culot. Si j'avais 20 ans de moins, je lui donnerais une leçon avec mes Pokémon. Ok, mère. Ça, qu'est-ce que c'est? Une maison à oiseaux? Un gros oiseau? Bon, Dialga, Palkia. Espace dimension, perpétuelle expansion. Nos âmes comme l'espace. Ok. Cette ville est insignifiante, il n'y a rien d'intéressant ici. Elle n'a aucune raison d'être, je la pulvériserai avec une bombe galaxie. Si tu tentes de t'interposer, je t'écraserai avec mes Pokémon. Allez, c'est parti. Charmeleon. Ok. Je viens de boire un petit coup, pardonnez-moi. Bon. Et je tape dans le micro. Bravo Coco. Donc Pingu. On va essayer la seule attaque vol que j'ai. Pendant le off là, que je suis retourné en centre Pokémon et que j'aurais fait toute la route, j'ai Ponyta qui a pris un niveau et je lui ai fait apprendre Bélier. Voilà, à la place d'écrasement. C'est à peu près tout ce qui a changé en ces quelques minutes coupées. Bon, et eh bien, très utile mon Pingu. Quand je disais dans ma vidéo théorique que généralement mes starters finissaient au PC, c'est vraiment pas des conneries. Hein. Généralement. Je le fais évoluer et généralement à partir ouais, du 5-6ème badge, mais vers la fin je le remplace largement quoi. Ils sont jamais extrêmes je trouve hein, quand même, c'est. Les Pokémon sont vraiment pas extrêmes. Les Pokémon du début. Roche. Cradopo, Cradopo, c'est type quoi ça? Poison? Donnez-moi plus de thunes, les gars, là. Moi, j'ai plus de thunes, moi. Alors, Mimi, qu'est-ce que tu dis, mamie? Eh, c'est marrant, regardez sa... regardez sa coiffure, on dirait un petit canard. Avec le petit bec un peu rose, là. Oh, c'est marrant, tiens. Allez, en tant que doyenne de Celestia, je te remercie. Ce vieux Grigri, puis-je le voir, mon enfant? Ah d'accord, c'est la vieille de l'autre. Tu dis que Cynthia a demandé à ce que tu me livres. Hein. C'est ma petite fille. Vieux Grigri à la doyenne. Doyenne. Ce vieux Grigri fut fabriqué pardon, dans la ville de Celestia il y a très longtemps. Il fut conçu à l'honneur d'une déité mythique qui avait créé Sinnoh. On retrouve parfois l'un de ces vieux Grigri de temps à autre. Puisque tu es à Celestia,
Pourquoi ne pas visiter les ruines? Eh ben c'est parti, mamie. Quand j'étais petit, j'adorais Indiana Jones, j'adorais tous les trucs de chasse au trésor, je trouvais ça hyper classe. Ça n'a aucun rapport, mais bon, j'avais envie de le placer, donc c'est fait. Les peintures rupestres, bon ça a l'air d'être les trois petits farfadets. Trois choses étranges forment un triangle. On dirait une sphère brillante au centre. Qu'est-ce que cela signifie? Le retour de mamie. Il existait un être si puissant que l'on considérait qu'on le considérait comme une déité. Ils aiment bien ce mot, hein, déité. Trois Pokémon existaient pour contrebalancer son pouvoir. Ces trois Pokémon formaient une sorte de triangle garant de l'équilibre. C'est une ancienne légende de Sinnoh qu'on raconte encore à Celestia. J'ai trouvé une chose utile, tu devrais prendre ceci. 16-3, cool. Surf, surf, surf. En plus d'être une attaque cool, au moins ça fera un petit peu d'eau à mon Pingu, parce qu'à part écume et bulle d'eau, il est un peu faible. Donc tout de suite, on va apprendre surf. On va prendre bulle d'eau, hein. Ça sert à rien bulle d'eau. Est-ce que Vibraquoise est déjà arrivé dans cette génération? Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup cette attaque. Bon les amis, oh j'allais dire on se laisse là, mais on va quand même atteindre la fin du dialogue. Je me suis fait surprendre. On dirait qu'il y a eu un combat ici, mais rien de grave. Tout le monde devrait prendre du recul et avoir les choses sous un autre angle. Voilà un angle cosmique. Mon nom est Helio. Je cherche le pouvoir de créer un nouveau monde, un monde sans conflit. Mais je ne le trouverai pas ici. Nous nous sommes déjà rencontrés, non? C'était au Mont Couronné. Préviens-moi si tu découvres un pouvoir rattaché aux légendes de Sinnoh. Oui, bien sûr, Coco. Donc je reprends. Les amis, on va se laisser là. Là, on a une petite dizaine de minutes. Avec ce qu'on avait fait avant le cut, ça me semble être déjà un bon épisode. On a avancé, on a réussi à trouver notre ville. Donc, du coup, on a de quoi faire ici. Je vous laisse ici, portez-vous bien, musclez-vous bien. On se dit à un prochain épisode. Bye bye!